à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul bébé. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis un peu en train de refaire la garde-robe de Maya pour ce printemps-été. Vraiment, j'ai enlevé toute sa garde-robe quasiment parce que plus rien ne lui allait. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer la suite des achats que j'ai fait pour elle. Il y a des achats qui viennent de chez Verbaudet. D'ailleurs, je viens de le recevoir hier. On va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Et j'ai des petites choses, 2-3 petites choses qui viennent de chez Kiabi et Mango aussi. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite. Bah tiens, on va commencer par le sac qui est ouvert. J'espère que je ne suis pas trop près ni trop loin. Et qu'il y a assez de lumière, surtout j'ai pas branché ma ring light parce que la prise est méga loin. Enfin, c'est. Il n'y a pas beaucoup de soleil non plus aujourd'hui, mais on va faire avec. Je commence par une pièce coup de cœur que j'ai trouvée sur Mango. Je prends pas souvent sur Mango parce que c'est vrai que pour les petits, c'est. Ah bah j'ai pas le prix. C'est pas donné quoi, mais vraiment leur pièce, je trouve que c'est de qualité. Pour les adultes aussi, je trouve ça je trouve que ça, il y a un peu plus de qualité peut-être que chez Zara, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, ce petit short pour cet été ou ce printemps dès qu'il fera beau. Je l'ai trouvé trop joli avec la ceinture un petit peu froissé comme ça, les petites fleurs violettes, si vous voyez bien. Il est vraiment très joli, ce petit short. Ensuite, je lui ai pris un pyjama léger, parce que c'est vrai qu'elle a presque que des pyjamas en velours en fait, et que là, s'il commence à faire chaud, bah, il va faire aussi un peu plus chaud la nuit. Donc malgré le fait qu'elle est une gigoteuse légère, je voulais lui prendre un petit pyjama léger et j'ai trouvé celui-ci manche longue et pantalon. Donc ça c'est assez cool, je l'ai pris du coup en 18-24 mois pour que ça soit dès maintenant à mettre. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus grand encore une fois, mais que voulez-vous, on ne veut pas voir nos enfants grandir. Donc des fois on se dit, enfin Maya elle n'a pas encore 2 ans, donc je me dis je vais pas prendre du 36 mois alors qu'elle n'a même pas 2 ans. Bah si, en fait la taille à prendre à Maya, c'est du 3 ans et surtout pas en dessous maintenant. Sinon ça va me durer 2 semaines, 1 mois et c'est tout. Mais bon, donc voilà pour ce petit haut là. Et avec le petit pantalon de pyjama qui va avec. Bon là j'avoue le pantalon il a l'air en longueur quoi, il a l'air assez grand. Plus long ça aurait fait trop, mais après bon bah c'est la largeur quoi. Mais là ça ira, pour tout de suite ça ira. Donc, voilà comment est le pantalon. Donc c'est tout pour Mango, vous voyez c'est pas grand chose. Et ensuite je vous montre les quelques petits articles Kiabi. Donc on a, ça c'est pareil, j'aurais jamais dû prendre du 24 parce que j'ai des ensembles en 24 mois de chez Kiabi que je vais retirer parce qu'ils sont trop petits. Donc bon, je me suis encore trompée. Mais voilà. Un ensemble en 24 mois tout blanc de chez Kiabi. J'aime beaucoup les finitions, le petit col avec l'effet un petit peu dentelle et le leggings tout blanc comme ça avec les boutons de taille bois. Ça c'est vraiment cool. Le leggings est à 4,50€, le haut à 5€. Ce sont des ensembles hyper confort et hyper pratiques. Par exemple pour aller à la crèche. Bon, je vous conseille peut-être pas le blanc du coup pour la crèche si vous voulez pas qu'il soit taché dès le premier jour. Mais bon, voilà. Et ensuite, deux petits lots de body. Je vous les remontre pas forcément. Je les ai achetés l'été dernier déjà. Ce sont les body bretelles. Donc cette fois-ci, je les ai pris en 36 mois. Mais franchement, ceux-là, c'est mes préférés. Et j'ai pris les mêmes, mais à manches courtes. En 36 mois aussi. Et le lot vaut vraiment le coup. C'est 8€. 8€ le lot. 8€ chaque lot. Voilà pour Kiabi et Mango. On passe maintenant à ma commande Verbaudet. Alors, du coup, je vais ouvrir en même temps que vous. Je suis désolée pour le bruit. On a des petites chaussettes
une petite paire de chaussettes taille 19-22. Ouais, j'ai bien fait de prendre ça parce que je voulais prendre plus, mais ça aurait été trop grand, je pense. Voilà, un lot de chaussettes printanières comme ça. Tout ce que j'ai pris sur Verbaudet, là, c'était en promotion. J'avais jusqu'à 40% max, alors pas sur tous les articles. Il y a des articles, ça va être que 20%, 30%. Mais c'était un peu les jours club, vous savez. Donc ceux qui ont la carte Verbaudet bénéficient de certaines promotions sur certains articles. Donc j'en ai profité et je crois que j'ai rien pris de non soldé. Mais là en fait j'ai pas les prix avec moi, donc et ce sont des articles collection actuelle, donc que vous pouvez retrouver actuellement. J'ai pris une petite veste en jean comme ça, mais effet fleuri. Alors ça je l'ai pris en 3 ans parce que les vestes ça peut se retrousser, donc autant qu'elle dure plus longtemps. Voilà, comme ceci. J'ai pris un pantalon en ce moment. Je suis fan, mais même pour les adultes, alors que j'en ai pas, des pantalons comme ça, ceinturés à la taille avec une sorte de foulard, ruban comme ça. J'adore, je trouve ça trop joli. Et la couleur du pantalon comme ça, un peu bleu canard avec la ceinture, j'ai vraiment adoré. Et pareil, pantalon en 3 ans. Je crois qu'il y en a un autre du même style. Ça doit pas être celui-là par contre. Ouais, j'ai pris pas mal de bas parce que bah, du coup il leur faut un peu de tout, donc comme j'avais pris pas mal de l'autre body, je me dis que les bas ça ira aussi avec tout. J'ai pris cette salopette que je trouvais magnifique comme ça, petite salopette rose avec les bretelles à volant, et elle est toute légère, donc ce sera parfait pour cet été. Et elle est en taille 2 ans, mais assez grande, vous voyez. Donc ça c'est super joli. J'ai pris un petit short. Alors ça j'aurais dû prendre plus grand parce qu'il me paraît vraiment petit pour le coup. Taille 2 ans, mais ouais, là il paraît assez petit le short quoi. C'est maintenant ou rien, j'ai l'impression. Mais vous voyez le style, toujours un peu ceinturé à la taille, trop joli. J'ai repris un lot de body. Après ces commandes là ça va, hein. La miss elle va manquer de rien, elle aura assez de body, de vêtements, ça ira mieux, hein. Donc là c'est des body pour tout de suite il me semble, ah non 3 ans, mais j'ai bien fait de prendre 3 ans du coup. Un petit lot de brodie à bretelles, donc on a un petit lapin, je trouvais ça mignon en plus pour Pâques. Petite fleur et petit body fleuri comme ça. Ça c'est, ah oui, c'est un lot de pyjama pareil léger comme je vous avais dit. Je vous ai montré celui de Mango qui est manche longue, mais ça c'est un lot de pyjama, bah, une pièce comme ça. Bon, ce qui est dommage c'est que c'est pas pratique du coup pour aller sur le pot. D'ailleurs j'ai commencé le pot avec Maya, je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse, dites moi dans les commentaires, mais c'est pas pratique du coup, et j'ai presque que des pyjamas une pièce. Enfin, j'en ai des deux pièces, mais quand elle en met des une pièce, c'est pas pratique pour enlever et aller sur le pot. Mais bon, je les ai pris parce qu'ils étaient en promo, c'était un lot léger, et puis je les ai trouvés jolis. Ensuite, comme je vous ai dit, encore un petit pantalon comme ça, tout léger, ceinturé, vert kaki clair comme ça. Ça, c'est des matières, ça sera idéal. J'ai pris ce petit leggings que j'aimais beaucoup. Puis ça, c'est vraiment mes articles favoris à mettre à la crèche. C'est facile même pour les auxiliaires. Les enfants sont confortables, ils peuvent faire de la gym, tout ce qu'ils veulent dedans, les petits leggings comme ça. Ils sont pas gênés. Ça, c'est vraiment un pantalon idéal pour la crèche. Et le dernier petit article... J'ai oublié ce que c'était. Ah ben voilà, encore un petit pantalon, matière toute fluide, mais ça aussi c'est très confortable aussi. Un peu ceinturé à la taille là, comme j'aime. Vraiment tout léger, donc pour cet été c'est idéal. Voilà.
c'est tout pour ce gros haul encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la collection Verbaudet. J'ai trouvé la collection de cette année très jolie. Bon, en général, Verbaudet, ils font vraiment de jolies choses. Ça a coupé tout à l'heure, donc je vous reprends un peu plus tard, juste pour clôturer, j'avais plus de batterie. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.